Pêche la minute, elle a 14 ans, léger quoi. Cet endroit n'est pas glauque du tout. Légère en plus, pas de soins, rien. Ah, elle est morte. Oh yes. Qui est là? Montrez-vous! Salut. On veut juste parler. Un geste brusque et je vous en plante une entre les deux yeux. Pareil pour votre petit copain. Ça pue là, ça pue. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle David. Et lui, c'est mon ami, James. On fait partie d'un groupe. Des femmes, des enfants. On a tous très très faim. Moi aussi. Il y a des femmes et des enfants, et on a tous très faim. Eh bien, on pourrait peut-être t'échanger un peu de cette viande. Qu'est-ce qu'il te faut? Just walking down. On a des armes, des munitions, des vêtements... Des médicaments. Vous avez des antibiotiques? Bien sûr. À notre camp. Si tu veux nous suivre... Je vous suivrai nulle part. Il peut aller les chercher. S'il revient avec ce que je veux, le cerf est à vous. Si quelqu'un d'autre se pointe... Tu m'en plantes une entre les deux yeux. C'est ça. Deux flacons de pénicilline et une seringue. Dépêche-toi. Allez, vas-y. Je vais prendre ce fusil. Bien sûr. Reculez. De moi, je peux pas te passer un truc pour que tu entends mon son. Direct, Bucci, direct. Ça risque d'être long. Ça. Pourquoi tu dis ça? Ça t'embêterait qu'on s'abrite du froid? Prenez-le avec vous. Tu sais, tu devrais pas rester toute seule comme ça. J'aime pas la compagnie. Je vois. Mais comment tu t'appelles? Pourquoi? Écoute, je sais que c'est pas facile de faire confiance à des étrangers. Cette personne blessée, elle compte beaucoup pour toi. Je suis sûr qu'elle va s'en sortir. On verra. Une autre arme? Désolé. Ok, j'aimerais bien récupérer mon fusil. Non, vous avez le pistolet. J'espère que tu sais t'en servir. Je me suis un peu entraînée. On doit absolument les empêcher d'entrer. Espérons qu'ils le trouvent pas. Oh putain, ils sont sérieux. Défends les fenêtres. Ok. Mais au moment je vais manquer de munitions, ma gueule. Il y a des infectés à l'intérieur. Non. Ouh. Oh, merde. Tu plaisantais pas. T'es bien plus doué que moi avec ce truc. Ah ouais. À ta droite.
Concentré les gars, c'est on dirait que c'est du Call of Duty là d'un coup. Soigne-toi, Ellie, vite. Tant pis, on doit quitter cette pièce. Ok, petite, par ici. Vas-y, je vais les rentrer. Surveille l'escalier. What up, biatch? Ok. Vous savez où vous allez? Je l'ai mis les pieds. Super. Belle trouvaille. La voie est libre. Récupère tout. Par ici. Je suis là. Tiens le coup. Vous en faites pas. Ok. Ah, mort de rire en vrai. T'éloigne pas. J'y vais aussi, mec. Fais attention. Hé, hey, petite, ça va bien? Ça va. Des claquettes. Ouais, pas du tout, Gas. Sors de là. Pas du tout, mec. Je suis pas du tout fan de ce jeu, mec. On va pas faire un débat sur League of Legends, ma gueule. Elle a aussi la truc. Est-ce que des claqueurs? Oh la. J'ai pas pensé sur le coup les gars, j'ai pas... Faire ça. Je sais pas si c'est une bonne idée de passer par là mais... Mais j'aurais récupéré quelques petits trucs. Je vais voir si je peux pas esquiver par là en dessous là. La tête qu'ils ont fait. Braze 974, bienvenue à toi mec. Oh bordel, merci. Vous êtes là. Allez, la porte est par là. On y était presque. On va aller là-haut. Comment on fait? Là, on peut utiliser cette échelle. Ouais, et tu fais la grande échelle, on fait quoi? Faut qu'on arrive à monter jusqu'en haut en fait. Moi je croyais qu'on était tiré d'affaire, bordel de merde. Eh, hey, venez, soulevez-moi. Oh. Ok, prête. Ok, Mia, merci du conseil, gros. Le fail de la brique, l'a vu, Case. Ok, dépêche-toi et fais attention aux infectés. Je sais.
essayer d'y aller doucement. Vas-y, vas-y, me tourne-le vers toi en fait. Prends-le vers toi. Vas-y, 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 prends-le vers toi et. Tu en peux plus ou quoi? Oh frère. Oh non! Ah non! Hein? Ouais, ouais, je sais, mais j'ai pas envie d'user en fait. Mais parce que tu uses un coup de couteau, mec, c'est fini quoi, tu en as plus en fait. Faut refaire un et tout. Ah ouais, gros. Mais non, c'est un surin, gros. Et les surins, genre, tu n'en as pas illimité. À moins que ça soit un coup de couteau que j'ai les illimités, mais. Hey, avec le mec, ça se passait pas comme ça en fait. Ouais, ouais, mais je sais pas si c'est pareil en fait là. Vas-y, on va voir. Hein. Passez une bonne soirée à toutes les personnes qui vont se coucher, les gars. Petit moment chaud là. Ok, dépêche-toi et fais attention aux infectés. Je sais. Donc lui il va passer par là, je suis obligé de lui mettre un coup de couteau en fait, le bordel. À moins est-ce que. À moins est-ce que je lui mets un coup d'épée. Oh. Ouais. Ouais, comme ça, ouais, on a testé, ouais. Ah mais que pas dans le dos, je sais pas comment ça se passe de en face, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, y avait marqué couteau, ouais, ouais, ouais. Ah le couteau c'est l'équivalent au coup de poing de Joël, ok d'accord, ok merci. Ok. Ouais, comme ça je sais que je peux l'utiliser tout le temps quoi. Et voilà. Utilise le bazooka au calme. Ok, je savais pas l'équipe, merci du conseil. Je parle à mon petit frère en fait, j'ai mon petit frère qui est juste à côté de moi. Viens petite. Mais je suis là. Mais ça n'empêche que lui me fait flipper quand même hein. Faut qu'on sorte ici. Non, sans blague. Surveille un peu. Ok grand-père. J'aime trop parce qu'elle est tarpée arrogante quand même comme Ok, je suis full. Fais-moi une sortie. Je sais pas s'il y a une sortie quelque part, mais j'aimerais bien ouais, me tailler là parce que. Merde. On dirait que les derniers à les avoir affrontés ont perdu. Je cherchais juste avant ces cuisines. Peu importe. Récupère leurs armes. Je vais chercher une sortie. Et alors, je fais quoi moi là? J'attends? Jusqu'à ce que je meurs? Regarde si tu vois des choses utiles. C'est bon, j'ai tout pris là. Tu vois un truc? C'est un cul-de-sac. Comment il s'y retrouvait dans ce bâtiment? C'est un cul-de-sac, ok, j'y sais. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On les repousse. Prépare-toi. Ça tue ça, tu vois. Une sorte de bombe artisanale. Vous entendez? Sur le toit. Oh ah, il te mord d'une fois, c'est fini, frère. Eux, c'est genre des claqueurs, ils appellent ça. Tu entendrais le bruit qu'ils font, frère. Prépare-toi. Ah, c'est hardcore, gros. Et d'accord, ils débarquent tous à partir du toit, quoi. Bon, là, toi, on va. Oh ! Ah, ouf.
Vite, 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 vite. C'est quoi ce bruit? On s'en sortira. Ouais, d'accord. Ouais. Reste concentré, ça va aller. On s'en sortira, MJ lui. Ils arrivent. Ils sont combien au juste? J'en ai aucune idée. Allez, t'arrêtes pas. Non, c'est pas le moment, c'est pas le moment. C'est quoi ça? Oh putain de merde! Il est mort ou pas? Oh le bordel de merde quoi. Oh, je suis en transe. Ouais. Hey, je crois qu'on a réussi. On les a tous butés. Tu devrais plutôt être contente. J'ai du mal à y croire. Il est construit deux fois plus vite, j'ai l'impression. Ça vaut le coup que je me soigne maintenant. Je vais regarder si j'ai pas des trucs à prendre. Et du coup la sortie, y a pas de sortie en fait. Faut qu'on repasse par là où on était tout à l'heure. Prends un champignon pour être au KLM. Non, je prends rien du tout. Ok, je savais qu'il y avait des balles qui traînaient tout à l'heure. On va rester plutôt sur ce flingue. Hein. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Écoute. Pas d'infecté. Pas d'infecté. Qu'est-ce que je disais? Ok, on y retourne. Allons voir notre serre. Tu t'en es plutôt bien sorti tout à l'heure. Je crois qu'on fait une bonne équipe. On a eu de la chance. De la chance? Non, non. Je crois pas à la chance. Non, tu vois... Je pense que tout arrive pour une bonne raison. C'est ça. C'est vrai. Et je peux te le prouver. Tu vois, cet hiver était particulièrement rude. Il y a quelques semaines, j'ai envoyé un groupe d'hommes chercher de la nourriture aux abords de la ville. Très peu sont revenus. Ils ont dit que les autres avaient été... tués.
par un cinglé. Et figure-toi que ce cinglé était accompagné d'une petite fille. Tu vois, tout arrive pour une raison. Allez, te fâche pas. C'est pas ta faute. T'es qu'une enfant. James, baisse ton arme. Pas question, David. Je vais pas la laisser faire. Baisse ton arme. Donne-lui le médicament. Ça va pas plaire aux autres. Bah, ça ne te regarde pas. Dégage de mon chemin. Tu survivras pas longtemps dehors. Je peux te protéger. Non, merci. Joël ? Oh. J'ai pas trouvé grand-chose à manger. Par contre, j'ai trouvé ça. Lève ton bras. Et voilà. Désolée. C'est bon. C'est fini. Tu vas t'en sortir. What up, biatch? Je vais les éloigner d'ici. Je reviendrai après. What up, biatch? Vous l'avez les yeux agités de sang, lui. Oh le bordel. Merci à toi Thomas d'avoir follow. Qu'est-ce qu'ils veulent au juste ?
je le ferai un peu dans la gueule. Non, non, pas le cheval. Headshot. Merde. Elle a dévalé la pente quelque part, mais je la vois pas. Là-bas, près du cheval. Putain, oh, les mecs ont comme tire sur une gamine quoi. C'est abusé, enfin. Vite, 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 qu'est-ce que tu fais là? Ouvre ça. Ok. Je secoue la manette, ça a rechargé le... Non, la lampe. Je prends pas de risque avec elle. Je veux juste en finir et rentrer. Je me gèle les couilles. On va regarder. Oh! Oh putain, je me suis grillé, je me suis mis dans un endroit, les gars. Le seul endroit où il fallait pas se mettre. Maman mia. Où est-ce qu'ils sont? Ok. Désolé les gars, si je réponds pas trop ou je lis pas trop les commentaires, là je suis un petit peu à fond dedans. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? What up, biatch? Mais non, c'est pas ta vue qui a baissé, frère. Je raconte. Je sais pas par où il faut passer, les gars. J'essaie de m'esquiver. Même ça demande un minimum, gros, quand même. Genre, surtout que c'est écrit en petit et tout, là. C'était quoi? Enfoiré! Oh, le bug! Casse-toi, casse-toi, casse-toi! Heureusement qu'il y a des sorties à droite à gauche. Ouais, mets-le vers toi, frère. Tu peux le monter un peu. Ouais. Oula, allez fouiller le bâtiment! Je trace. Merde, c'est un cul-de-sac. Oh putain! J'ai où là? Putain, c'est un putain de cul-de-sac quoi. Fais chier quoi. En plus c'est tarpin chaud.
J'ai plus de vie, j'ai plus rien là. C'est la fin des haricots. Je sais pas combien ils sont gros. Ah, c'est du n'importe quoi, je peux pas monter là. Je sais pas. Déjà je vais regarder s'ils m'ont pas donné des munes. Je suis trop pressé, tiens ouf mec, je suis pas trop pressé gros. Je suis en panique là. Y'a des mecs qui me courent gros, ils sont 800. D'accord, déjà j'ai eu un fusil à pompe, ça peut être intéressant. Alors, bon là il a l'air d'avoir plus personne. Ça veut dire quoi ça, ex? Mec, moi je trouve que le jeu est tarpin chaud frère, que ce soit en facile, en difficile ou quoi que ce soit, je m'en fous frère. Moi je trouve que le jeu est super chaud. Hein. Si tu veux le jouer à infiltré, si tu le joues à bourrin, frère, sûr que voilà, regarde, j'ai tué tout le monde. Genre, tu te la pètes parce que tu l'as fait en normal. Ok, Michael. Bon, j'ai fait tout le tour. Vas-y, frère, vas-y. Ok, je suis sûr qu'il y a un petit truc là-bas, en fait. J'ai pas dû le voir. Mort de rire, gros. Mort de rire, ex. Bah, si tu le trouves facile, gros, tant mieux pour toi, hein. Ah, pas mal, en fait. Surtout, ton palo. Ouais, j'avoue. Moi, personnellement, je trouve que le jeu est assez difficile, après. J'ai pas envie de passer 800 heures sur le jeu, tu vois ce que je te dis, gros. Là je suis en live, j'ai pas envie de bloquer sur des zones qui sont assez simples. J'ai vu que tout à l'heure au début du jeu, en n'ayant pas la visée assistée, c'était super chaud pour moi de jouer avec la manette. Donc après chacun son truc gros. On s'en fout de toute façon que le jeu soit en difficile, en facile ou en expert mec. C'est juste pour l'histoire que je joue. Oh, le petit trou quoi, normal. On passe par les trous de souris. Mais il n'y a pas d'excuses ou pas d'excuses gros, j'ai pas envie de le faire en normal, je le fais pas normal, je comprends pas quoi, je sais pas frère. J'ai envie d'avancer dans l'histoire là, je m'en fous que le jeu soit... Mort de rire frère, je pense que tu vois. Non, j'y arrive pas, je te dis que j'y arrive pas. Il y a une latence sur la gâchette. Quand tu tournes, j'ai une latence, frère. Le jeu, il tourne pas. Il tourne pas, genre direct avec le joystick. Du coup, déjà jouer à la manette, c'est chaud. Alors en plus, avec une latence au joystick sur le jeu, je peux pas, mec. Oh, ce truc me barre la route. Oh merde. Donc, il va falloir que je passe par au-dessus. On y va. On y va, baby. C'est bon. Allez, c'est parti, les gars. Il y a encore des mecs quoi. Voilà le chemin. Tiens bon Joël. Ouais, le problème c'est que j'ai l'impression qu'il va y avoir 500 millions de gardes encore. En fait tout ce qu'ils nous ont fait descendre ils vont nous faire remonter, c'est ça? Ouais, ils sont tous à gauche, putain je les vois déjà direct. Je comprends pas le délire en fait, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils nous ont fait aller direct sur la gauche alors direct descendre?
Tout à fait, Bucci, ouais, il y a visée assistée en facile en fait. Qu'il n'y a pas en normal. Si elle aurait été en normal, j'aurais mis en normal, mais il n'y est pas. Du coup, je reste en facile, mec. Et toutes les personnes qui sont pas contentes, ah ben c'est pareil. Dans la gorge, gros. Tout va bien ? Enfoiré ! Ah, lui, je lui tire une balle dans la gorge à l'arc, il meurt pas, quoi. Chier, elle est forcément dans le coin. Par contre, dans le dos, ça passe. Rien du tout, gros. Ouais. Il est où? Je dirais pas gérer, mec, mais... C'est juste des coups de cul, Marshall. Comment je m'échappe d'ici? Par là, non? Non? Ah, c'est bon. J'ai vu! Tac là, la gorge, gros! Je vois pas ton pseudo, je crois que c'est Hydrose. Je veux pas être ou Hydro, excuse-moi. Bienvenue à toi, le DLC, je compte le faire après le jeu, mais je l'ai pas commencé. J'ai vu que sur le DLC, il était conseillé en fait de finir le jeu d'abord avant de le commencer, ce qui est logique. Où est la sortie? Du coup, je l'entamerai après le let's play Hydro. Je vais pas passer par là, je vais regarder un peu par ici. À moins que... J'ai juste un petit cul-de-sac en bas. Ouais, heureusement que je suis allé en fait. Je suis full. Bon, je suis là. Voilà, PH. Et merci du follow du coup, Hydro. Mais où ils sont? Ah, mais gros, mais qu'est-ce que j'en sais, moi, qu'ils sont là? Ils sont sérieux là? Oh merde! Saloperie! Ok, vite. Y'a pas de glissade comme sur Black Ops? Comme sur Call of Duty? Oh, il s'est baissé! C'est moi qui les pourchasse ou c'est eux qui me pourchassent là? Je comprends pas trop là. LOL. Hey petit! Arrête tes conneries et dépose tes armes! On est plus nombreux et mieux armés! Ah ouais? Ouais. Ok, tu pourras pas dire que t'as pas compris. On lui fonce dessus. On va essayer de le surprendre un peu là. L'idéal pour le DLC c'était juste après la rencontre avec David. Rappelle-moi c'est qui David déjà. Je sais plus qui c'est tonton David. Ah j'avais oublié que j'avais le pompe. Vite, vite, vite! Allez, t'es sérieux? Ouais.
Voilà la sortie. Je sens qu'il va se passer un truc de ouf, je sais pas pourquoi. En fait, j'ai l'impression qu'avec l'arc, elle vise plus rapidement la petite. Du coup, c'est un peu plus facile à jouer. C'est vrai que Joël mettait du temps à viser à chaque fois et ça saoulait quoi l'arc. Qui c'est? Oh non. Tu es en sécurité. T'en fais pas. T'en fais pas. T'es le bâtard quoi. Salut Jarod. J'avoue c'est cool Isseria. Merci mec, c'est sympa. Tu as vu frère? C'est un cannibale ou quoi? Il fait quoi lui? Salut Kilo. C'est lui David. Ok ok ok, merci merci. Comment tu te sens? Ok merci tonton, ok ça va, je souris quoi. Super. Tiens. Faut que tu manges. Je sais que t'as faim. T'es resté longtemps dehors. Qu'est-ce que c'est? Mandrir, Yukin. Tu sers? Avec de la viande humaine en accompagnement? Non. Non, je te le promets, c'est juste du cerf. Espèce de monstre. Ah. Un peu rapide comme jugement. Quand on sait que toi et ton ami vous avez tué combien d'hommes? Ils nous ont pas laissé le choix. Et tu crois que nous on a le choix? C'est ça? Vous tuez pour survivre. Tout comme nous. On doit s'occuper des nôtres, à n'importe quel prix. Et maintenant? Vous allez me découper en petits morceaux aussi. J'aimerais mieux pas. Allez, dis-moi ton nom. Tout ça, c'est des conneries. Au contraire. J'ai été... plutôt honnête avec toi. T'as dit quoi, frère? Maintenant, à ton tour. C'est le seul moyen de convaincre les autres. Les convaincre de quoi? Que tu peux vivre ici. Tu as un cœur. Tu es loyal. Tu es spécial. T'es vraiment stupide. On peut pas dire que tu m'aides à te sauver la vie. Qu'est-ce que je vais dire aux autres maintenant? Ellie. Quoi? Dites-leur que... Ellie est la petite fille qui... vous a pété votre putain de doigt! Comment t'as dit? Hein? En petits morceaux. À demain matin, Ellie. Ellie. Ah.
Enfin les gars, enfin le retour quoi. Enfin le retour de Joël, ça fait plaisir. Bon, il est un petit peu amoché le papy là. Papy Joël. Mais ça fait plaisir, franchement, ça fait vraiment plaisir. Sachant que j'ai encore toutes mes armes, j'ai tout et tout. Ah, c'est bien ça. Je suis comment au niveau vie là? Je suis très 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 mal. On va prendre un petit peu de la life. Je suis vraiment content que ce soit pas mort les gars, je vous jure, c'est un truc de fou quoi. Voilà, PH. Mon petit frère est juste à côté en fait, il est là, il regarde le jeu. Tu veux faire quoi après? On se regarde un film ou... Faudrait que je prenne un film, je m'imagine qu'il y avait de nouveaux trucs à prendre. Hein. J'ai l'impression qu'il est un petit peu mal quand même, hein. C'est... Bon, après ce qu'il vient de vivre, je pense que on est passé d'automne. Ouais, d'un coup on se retrouve en hiver. Ouais, maintenant c'est la recherche de la petite quoi. Bon, ça va être un peu simple. Non, remarque, non, pas du tout. Est-ce qu'il est enfermé on... Je ne sais où. Ah, du tout, il marche bizarre et tout. C'est trop bien fait, franchement, c'est trop bien fait. Ouais, je vais fouiller un peu les environs. D'accord, ok. De toute façon, je pense qu'il faudra une petite. Comment dire? Ils vont parler de ça, non? Dans le DLC, il faudra un petit genre précédemment ou. Alors, sachant qu'il y a eu les mecs là dans le coin, je vais essayer de plutôt passer sur le côté. Cette force de la nature! Ah, je kiffe, franchement, je kiffe. Et du coup, j'ai tout ouvert, les portes, le garage, tout en même temps. Jouer beau. D'accord. Merci, Marius. Ellie! Où est-ce qu'elle est passée? J'ai pas vu le spam d'Issam. Heureusement les gars. Donc ça c'est le kick les gars. Faut pas spoiler les gars s'il vous plaît. Même si ma voix porte des fois à dire ah pourquoi si, pourquoi là et tout. Je flippe un peu parce que je sais pas trop ce qui va se passer là encore. Ok, ouais, direct. Bon, calme. Comme ça, ça c'est fait. Je me suis fait griller d'entrée. Hein. Mais c'était prévu en fait que je me fasse griller, non? Ça, c'est une sorte de mini snipe, j'ai vu le bordel. T'as vu, voilà, ça, lunette à coque sur le coq. Sur quoi? Ah ouais, c'est vrai. Je sais pas par où essayer de me débusquer ce chacal là. Le spoil égal ban, tout à fait les gars, c'est écrit en gros sur le titre, je peux pas faire mieux l'équipe. Si vous arrivez pas à comprendre... écoutez, je peux plus rien pour vous quoi. Je peux plus rien pour vous les gars. Je sais pas s'il faut que je les suive. Ouais quand même ouais. Ouh. Même pas, j'avais lancé un molotov, non? C'est tarpin, je sais pas si sont. Je sais pas s'ils sont tous morts, mais en tout cas je sais qu'il y en a deux ou trois, j'ai vu deux mecs brûler déjà. Non, ils sont pas tous morts. L'autre s'est même pas retourné, il a entendu ses potes brûler quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Hé, hey, t'as trouvé quelque chose là-bas? Allô? Oh putain. Ça va? Voilà, PH! Joel is back! Ça tue. Ça tue, ça tue, je suis trop content frère. Oh non non. Tu viens avec moi.
Oula la haine. Lâche-moi. Il a le seum, il a le seum. Je... Attends-moi là. Bon. La fille. Elle est vivante. Quelle fille? Je sais pas de quoi tu parles. Putain! S'il te plaît, fais un effort. Sinon, je t'arrache ton putain de genou. La fille. Elle est vivante. C'est la protégée de David. Où ça? Dans la ville! Dans la ville! Écoute, tu vas l'indiquer sur la carte. Et ça a intérêt à correspondre exactement à ce que ton pote me dit. Vas-y. C'est juste là. Tu peux vérifier. Demande-lui. Demande-lui, vas-y. Il te le dira. Je te mens pas. Je te mens pas. Va te faire foutre! Il t'a dit ce que tu voulais savoir! Je te dirai que dalle! C'est pas grave. Moi, je crois. Non, attends! Attends! Debout là-dedans! Allez! Lâchez-moi! Ça! Non, arrêtez! Je t'avais prévenu! Je suis infecté! Je suis infecté! Vraiment? Et vous voilà, aussi? Voilà, PH! Allez-y. Relevez ma manche. Regardez! Je vais jouer le jeu. Qu'est-ce que vous disiez? Tout arrive pour une bonne raison, c'est ça? C'est quoi cette merde? Elle se serait transformée? C'est impossible! Ça m'a l'air vachement possible à moi! Les gars, franchement, c'est un truc de malade là. C'est en train de partir en couille, mais grave. Je suis en train de kiffer là. Il me faut une arme. Vas-y, vite, tire ça, tire ça, tire ça. Allez, je peux le faire. C'est quoi ça? Mets du kit, pourquoi pas? Oh putain le bâtard, je t'ai vu. Ok. On se taille de là, il me faut vite une arme, putain. Oh putain. Je t'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Starpen bien fait, c'est un truc de fou. Ah, c'est un truc de malade. Mais je sais pas pourquoi, à chaque fois que je joue la petite, j'ai l'impression de jouer Lara Croft. Je sais pas pourquoi. Évidemment, ça va perturber mon truc, ça non, je vais entendre personne sur le. Ils sont partout. C'est drôle dans ce jeu, je sais jamais où je vais, mais c'est toujours au bon endroit. Je sais pas pourquoi. Tu te faufiles à droite à gauche.
Salut à toutes les personnes qui arrivent sur le stream. Désolé les gars, je suis un petit peu à bloc. Putain, j'ai quoi? J'ai rien. J'ai rien. What? Couteau. Ok. Cache-toi. J'avoue, franchement, là, ça y est, c'est un truc de fou, là. Bon, une balle. C'est quoi, ça? J'ai rien à voir. J'ai un problème sur les bras et on va le régler. Allez, on se concentre, faut la trouver. Lol, tu m'as pas vu. Eh non! Allez, non, le chute! Casse-toi vite! Putain de sa race! Putain, j'ai envie de gueuler quoi là! C'est les enculés quoi! Excusez-moi! Carrément, t'es comme ça, toi. J'ai entendu. Mais j'ai tenu un truc dessus. Wally, sérieux? Ah non. Ah, la droite. La droite qui fait trop mal, frère. Voilà, PH. KO. Je sais pas où ça m'a remis. Ok, juste devant la porte. Hein? Ouais, j'ai vu. Je savais pas qu'il y avait une issue par ici. Même deux quoi. Je vais où? Je sais pas où on va, mais on y va. Je suis avec Maverick au calme. Sa minute elle peut ouvrir aucune porte quoi. Et j'entends jouer un mec. Ils sont où? T'es, c'est un truc de fou mec, je vois rien. C'est un peu le but aussi en même temps, hein, mais bon. Ah mais c'était pas par là. Ok. Attendez, je regarde s'il n'y a pas de truc. Ah, si. C'est quoi ici? What? D'un coup ça fait bizarre quoi. De sucre en poudre. Il faudrait que je regarde un petit peu où je marche parce que là je fais
Je fais n'importe quoi. Surtout qu'il y a un mec là-bas ou quoi? Non, j'hallucine, ça y est. Putain, j'ai pas pris de drogue, les gars. C'est quoi cet endroit tout chelou là? Encore. Comment t'as fait? On se calme. Putain. T'iras nulle part. Pour sortir, il va te falloir ces clés. Je sais que t'es pas infecté. Un infecté ne se battrait pas à ce point-là pour rester en vie. Il me faut ces clés. Alors, que choisis-tu, Ellie? Voilà, c'est bien. Je te vois. Oh non. Vas-y le mec, c'est pas tiré aussi, arrête. Bien tenté, petite. Tout va bien se passer. Machete. Tu sais, tu me surprends sans cesse. Dommage que t'es pas... Le voilà, Ellie. Ah, j'aime bien le mec qui fait genre il te grille, mais en fait t'es même plus là, quoi. Merde, il y a des bouts de verre. Je t'aurais laissé une chance de t'en sortir. Ça m'amuse beaucoup que tu penses à te saluer. Cours, petit lapin, cours. Ah ouais, carrément quoi. Je pensais que genre tu allais lui mettre un coup de serein et c'était terminé. Non, 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 non. Il est où? Je le voyais plus là. Ah, il se baisse. T'es sérieux, joue à cache-cache avec nous? Oh le bâtard. Ok, excusez-moi, je croyais que c'était la grande cinématique, rien à voir. Ok. Ça sert à rien, je vois que dalle. Poursuivons les recherches. Moi j'aime trop, frère, je te jure. Il est où le mec qui me voit? Mais il est où? Ah ouais frère. Oh, calme, je t'avais pas vu, t'es enfoiré. Oh vite vite vite. What up, biatch? Pourquoi les gens ils insultent comme ça? C'est quoi ces pseudos là?
Vous êtes sérieux là? C'est qui ce mec là? Bande direct frère, bande direct ça l'équipe. Les modos, direct frère. Hein. Même pas j'ai à vous le dire là l'équipe. Hein. C'est quoi ces gens là? Là je te tiens connard. Pas ici. Putain, un truc de fou mec, mais c'est quoi ce délire? Saucissonnade. Je vois que dalle, heureusement qu'il y a le truc qui bloque quoi. Y'a personne, ouais, ils ont pas de respect, c'est abusé quoi. Je peux pas le faire là, je vais le faire quoi. Si je vois que le mec il continue, je vais le faire direct. Mais bon, ça m'énerve pour toutes les personnes qui ont rien à voir dans l'histoire quoi. C'est toujours les bons qui payent pour les mauvais quoi, c'est ça. Ouais, ouais, je disais que je le follow. Ben, les personnes s'ils follow, je le vois pas en fait. Je vois pas les pseudos qui apparaissent. Salut Georges, ça va ou quoi gros? Oh un sac. Oh le sac des lits non? Pourquoi tu te soignes pas? Il se passe quoi là? Faut que je ressorte? Non. Ok, j'avais pas vu que c'était... Oh putain, c'est sale. Oh bordel. Il faut que je la trouve. Il faut que je la trouve. T'es lui, ça folle de plus en plus. Je suis là avec ma machette. Putain. Allez. Oh, ça pue. Cinématique ou... je sais plus en fait, j'en ai la cam ou j'en laisse. Mort de rire, Zelfric. Zefric. 3G. Ah merde, faut que j'avance. J'avais pas capté, les gars, que c'est une cinématique genre. Ah, au calme, l'autre il a dû prendre beaucoup d'avance là. What up, Piatch? Je pense que je vais me faire péter. Le Viatro. Merci du follow, ma gueule. Bienvenue à toi. Je vois que tout à l'heure t'es sur le stream. Merci d'avoir follow. Oh putain. Where's my money, bitch? Oh, Adrien, merci gros. Merci du soutien, mec. Y'a pas de honte à ça. Merci beaucoup, Adrien. Thank you.
Tu m'as entendu ? Non. Quoi ? Regarde. C'est l'hôpital. On est enfin arrivé. Allez, on y va. Ok, alors attendez, je vais vous expliquer une chose, les gars. Tu sens, c'est... Je vais mettre pause. En fait, je vous explique. Quand la personne se fait bannir, si le mec recrée un compte et refollow, déjà il a gâché la cinématique. Donc il m'a mis tarpin la haine, c'est enfoiré. Excusez-moi des propos et tout, parce que ça commence à me saouler, les mecs qui font des trucs comme ça. Je vais être obligé de désactiver les follow à cause des personnes comme lui qui créent des comptes fake juste pour insulter les gens. Le problème, c'est qu'il faut pas dire arrêtez ou les modos, vous faites quoi. En fait, il faut que le mec follow en fait pour qu'on le voit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tant que le mec follow pas, merci à toi Kira d'avoir follow. Ça sert à rien de dire les modos, vous faites quoi. Ils font leur travail, vous inquiétez pas, ils sont là. Ignorez ces personnes, ça sert à rien de s'occuper d'eux, même ce que je fais, c'est pas bien. Ignorez ces gens, les gars. On est là pour pas se prendre la tête. On s'en fout de ces mecs. Je vais couper les follow. À cause d'eux, il y aura plus de les follow. Donc désolé, voilà. Et on verra comment ça se passe par la suite. Le temps que tout ça se passe. Donc je couperai lors du prochain stream les follow. Grâce à des personnes comme lui. Voilà. Donc ignorez ces gens. Ça sert à rien de les calculer. Les modos sont là. Ils vont les bannir. Vous inquiétez pas. Brise. Eh ben, tu vois, par un jour comme ça, je me serais assis sous mon Porsche. Et j'aurais joué de la guitare. Quand on aura fini avec tout ça, je t'apprendrai à jouer de la guitare. Ouais, je pense que ça te plairait beaucoup. T'as un coulis de corps, tu as coulis de changer. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Allez, on est reparti dans le jeu, les gars. Ellie, je te parle ? Non ? Oh, ouais, carrément, ça a l'air cool. Le petit passage, pour revenir vraiment, vraiment sur le jeu, le petit passage là, entre le pétage de plomb, vous voyez qu'il y a quand même, genre, les mecs qui se quittent plus, quoi, entre Ellie, lui et Joël, vous voyez qu'il y a un attachement, genre... qui est très très fort. Là elle a craqué, la petite, elle a craqué. Oh, elle a découpé avec la machette au mec, genre normal. Elle m'a fait serrer, quoi. Et comme dit mon frère c'est pas un mec qui joue à ce style de jeu, quoi. Il aime pas tout ce qui est trucs d'histoire et tout. Mais c'est vrai que c'est prenant, c'est super prenant, quoi. J'ai rêvé que je volais une fois. Que tu volais? Ok. Ouais. Bonsoir Estovir, alors j'ai vu ton message, excuse-moi mec. Oui, je pense reprendre Diablo à la 2.01. Et pour PayPal, je connais pas d'autres solutions, mec. Donc si vous connaissez des solutions, balancez. Mais essayez de me laisser des messages sur Facebook. Mais je pense que le plus sécurisé, le plus sécurisé, je pense, hein, c'est vraiment PayPal. Après, je connais pas d'autres moyens de dons. Là, le mort de rire. Genre Twitch qui m'envoie la qualité, je vois ou pas. Bah, y a la qualité, ouais, la qualité qui est arrivée sur le stream en fait. Genre, ouais. En fait, la qualité arrive à partir d'un certain moment, un certain viewer en fait. Ville, une autre si on est plus de 100 et quelques, genre la qualité se débloque et on peut changer la qualité des streams. Sauf que en ce moment, je fais 200 ou 100 personnes constant et pas de qualité. Ouais, c'est des bugs, je sais pas. Ouais, donc la qualité arrivée, c'est un peu débile parce que genre passer la fin du stream, mais bon, vous avez compris, quoi. C'est l'hôpital dont parlait le type des lucioles. Dans une heure. On y va, allez. Ouais. Ouais, c'est vrai les gars, c'est pas facile, hein. Il faut être tout le temps au taquet. Merci à vous l'équipe, c'est bon, on les remercie pas assez. On devrait couper par là, non ? Merci Modo les gars. Franchement, le changement de décor et tout là, ça me... Je kiffe. Je peux pas monter par là. Alors... On pourrait utiliser cette échelle. Et alors, je peux pas la prendre? On y va. Ellie. Qu'est-ce qu'elle a? Il est requinqué, hein? Ellie. Quoi? L'échelle, j'attends. Ouais. What? Genre, il a pas voulu venir. C'est quoi ce délire? Allez, c'est reparti, Ellie. Mort de rire, Donuts. En même temps, le pseudo.
Non, en fait, le souci, c'est qu'en fait, quand le stream, c'est comme si on repartait à zéro, en fait. Moi aussi, j'ai vu qu'il y avait qu'une personne qui regardait le live, et après, ça y est, ça se réactualise, quoi. Je ne sais pas encore, Istovir, pourquoi pas. Je ne l'ai pas fait, le jeu, ouais, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ellie ! Ellie ! Oh, comment elle est en galère ? Il faut que tu vois ça ! Mais elle me laisse pas en galère. C'est quoi ? Faut que je vois quoi ? Mais qu'est-ce que... Franchement, ouais, elle est classe, ouais. Salut, Fire Z. Bonsoir à toi. Alors là, j'hallucine. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je comprends pas, les gars. On a tracé. Tu me donnes allez, faim, gros. Rien que ton pseudo, il me donne faim, Donut. En plus, je kiffe les Donuts, quoi, mec. Là, tu me tues à chaque fois. Quoi. Quand je vois ton pseudo, je fais non. Oh non. Oh, qu'est-ce que c'est? Lol. C'est bon, t'inquiète pas. Ils sont sérieux? Tout va bien. Bien, allez. Dépêche-toi. Genre, moment d'émotion, les gars. Salut. C'est trop cool. Oh, où est-ce qu'elle va? Allez, viens, on bouge. Hé, hey, ralentis. Wow, ça m'a tué d'un coup, les gars. Je m'attendais pas du tout à ça. La petite musique aussi. Bah, bah, bah. Et je comprends pourquoi il a eu des sales notes le jeu, il est magnifique quoi. Oh, merde. Oh. Je coupe un petit peu la cam les gars. J'essaie un petit peu de profiter. Ok, tonton. Genre moment d'émotion ou quoi? Giraffe next gen. Mort de rire, genre tu m'as tué. A plus, Anthony. Merci d'être passé sur le stream. Bon, vas-y, on va pas regarder Giraffe toute la journée là-haut. C'est magnifique, mais à un moment, voilà quoi. On n'est pas obligé de faire ça. Tu le sais, pas vrai? C'est quoi l'autre option? Retourner chez Tommy et laisser tomber toutes ces conneries. Après tout ce qu'on a vécu. Après tout ce que j'ai fait. Je vais pas gâcher ça.